Dans le moment que nous avons parlé là, nous faisons une consolidation et nous continuons à prendre information par rapport à nombre de monde qui est victime. Malheureusement, le bilan de la dit que li alourdi, nous dénombrons 724 monde qui mourent, dont 500 dans le département sud, 100 dans le département Grand-Anse, 122 dans le département NIP et 2 dans le département Nord-Ouest. À date, à Kounyala, nous avons 2800 blessés que nous avons enregistrés. Ça, c'est blessés que nous avons ici, ouais, qui pas venus dans le centre hospitalier. Ça, c'est sans compter certains monde probablement qui ne doivent pas arriver ou bien pas arriver. Parce que les recherches vont continuer toujours en bas des combes dans certains côtés. Que nous avons des mondes qui sont toujours en bas, d'Akadi, et débris et chute à tremblement de terre. De manière globale, nous avons un gros bilan en termes d'infrastructures, c'est-à-dire que ça n'est pas l'infrastructure, n'a pas les deux, et bâti avec l'autre structure qui existait. En pile, l'école, l'hôpital, l'hôtel, l'église, qui c'était une entreprise privée qui a affecté tout. Okay? Et nous avons un bilan qui est quand même assez lourd par rapport au bâti. Si nous parlons de bâti, nous sommes capables de dire qu'il y a 1500 cailles qui détruit. Nous avons 3000 cailles à peu près qui sont endommagées dans le département sud. Pour le département NIP, qui très durement atteint tout, nous avons 899 cailles qui détruit, 723 cailles qui sont endommagées. Okay? Pour le département Grand-Anse, nous avons 469 cailles qui détruit, 1687 cailles qui sont endommagées. Et ceci, je dis, nous avons plus de données encore dans le prochain rapport de situation que nous avons pour nous faire. En termes d'infrastructure routière, nous te connaissons que tu as gagné un pont qui sous rivière glace qui relie ville de Kaye avec ville Jérémy, donc sous route nationale ça qui était affecté, gagné un gros travail rapide qui était fait pour rétablir pont ça pendant journée hier là, mais hier soir pendant que tu as gagné des répliques qui faites dans le département, gagné deux autres éboulements qui fait sous route là, ce qui fait que là qu'on est là gagné un travail actif qui a fait pour nous capable débloquer portion ça dans route là pour nous capable assurer nous que je dis que perméabilité route là donc accessibilité route là li là et que justement nous capable continuer faire travail d'intervention et de support à monde qui n'a pas dit qui victime yo. Et en termes d'infrastructure j'en ai dit tout à l'heure là et n'a pas d'infrastructure n'a parlé de en plus du bâti n'a parlé de justement route etc. Dans Grand-Anse il y a 300 santé qui a endommagé, il y a 3 écoles qui confirmées détruites. On l'église qui est sérieusement endommagée, donc inutilisable. Et nous avons deux ponts qui sont endommagés, et Tiginode avec Voldog, qui est actuellement là, justement, endommagé et qui a recevoir évaluation, il a fait évaluation sur eux par travaux publics pour nous capables de rétablir au plus vite. Dans le département de NIP, nous avons PNH qui, des structures PNH, donc il y a un commissariat avec une prison qui est endommagée. Et nous avons un commissariat dans Baradère qui est complètement détruit. Nous avons 5 églises qui sont endommagées dans le département NIP. Okay? Nous avons 7 écoles qui atteignent tout et nous avons un bloc administratif de l'hôpital l'asile qui atteint. Un point qui est important, c'est que nous avons 2 forts qui sont dans la mer qui permettent la navigation qui renversent dans la zone Grand Boucan. Et dans le département sud, nous avons 9 églises qui détruit, nous avons 2 hôtels qui détruit, 3 églises, entre autres, son route qui allait vers Port-Rapiment qui est sérieusement endommagé, pont Damassin endommagé et Jean de Titalia là. Nous avons parlé de glissement de terrain qui fait sur route nationale numéro 7 qui relie ville de Kaye avec ville Jérémy. Yon bagay que nous sommes capables de dire, c'est que là, pour le moment, toute action et activité justement de réponse et de secours yon en cours. Nous avons un paquet de travail qui a fait. Nous avons une équipe sauveteurs, sapeurs-pompiers volontaires qui sortit au Cap hier matin, hier pendant la journée, et qui arrivent au Kaye et qui déjà fait un paquet de travail pour sauver les gens, retirer les gens en bas des combes. Et dans plusieurs structures ça que n'a parlé équipe ça a toujours à pied d'œuvre, ils continuent à travailler, ils travaillent non seulement dans ville locale, ils travaillent dans zone campérin et pour salut et là ils vont essayer de dégager puis pendant la journée monter dans l'autre zone qui m'a dit qu'ils ont déjà reculé qui pourquoi recevoir assistance. Et nous sommes capables de dire tout que en termes d'assistance et de coordination nous avons un gros intérêt, un gros appui de la communauté internationale là que nous dit merci. Nous avons plusieurs dans le pays amis qui déjà offrent aide et que nous organisons nous là pour nous capables de coordonner aide ça. Donc nous travaillons avec eux pour nous capables de dire mais qui ça que nous avons comme besoin. D'ailleurs nous faisons une liste sortie qui a besoin de base que nous avons en façon pour tout le monde les potons bagaille
pousser dans la liste besoin encore pour tel, en façon pour nous capables vraiment utiliser ressources là pour population hein, et vraiment faire travail de dispatching, c'est-à-dire que faire ressources aller côté pour y aller en façon pour toutes différents et d'accord département ça et communes ça que nous parler là yo capable joindre un appui logistique là déjà en cours pour que déjà gagner des équipes qui sortent par Port-au-Prince qui aller vers zone et affectée que ce soit par voie héliportée par voie maritime mais aussi par voie terrestre. OK, nous avons des équipes là actuellement là qui prend route là et qui a pratiquement arrivé là dans zone sud qui a arrivé sous NIP qui sont département qui très affecté et que nous avons oublié parce que tout le monde focalisé sur les cailles mais département de NIP particulièrement Baradère nous avons pensé spécial pour eux parce que ils ont un gros d'accord ils prend un gros frappe un gros choc et il y a plusieurs répliques qui fait dans zone ça tout pendant et soirée hier soir. Donc je dis en équipe nous yo à pied d'œuvre, yo nan route, yo gien qui rive déjà et qui commence travail et travail ça yo a fait sous l'obédience et coordination autorité locale yo particulièrement autorité protection civile yo avec autorité délégation yo. Dernier point que m'a rappelé, c'est le fait que nous quand même sous influence, alors nous pral sous influence tempête tropicale grâce qui lui-même a avancé dans moment que n'a parlé là dimanche matin 11h du matin tempête tropicale grâce pratiquement sous Porto Rico. Si l'ikembe vitesse li avec trajectoire li, nous t'as supposé joindre influence tempête tropicale grâce demain pendant journée, hein, pour ne pas dire demain en fin journée. Hein. Mais je dis hein, déjà, unité hydrométéorologique que nous avons travaillé avec lui a sorti en avis météorologique et nous allons augmenter le niveau de vigilance, déjà que nous avons habitué faire et nous allons continuer à faire passer messages de précaution. Donc ceci, c'est une façon pour me dire tout le monde, déjà mettez Babno à la trompe. Continuez à exercer le message de précaution et de nous relayer le message en façon pour nous capables de diminuer l'impact tempête tropicale ça qui pourrait venir ajouter sous tremblement de terre que nous avons géré déjà. Donc, je m'assure tout le monde que la protection civile à bord, nous tous nous mobiliser, que ce soit au niveau national, au niveau départemental ou bien au niveau local, et nous avons été mobilisés à côté de la population. Nous avons bien pour nous faire continuer à faire circuler l'information et venir dans un prochain point avec justement nouvelles informations par rapport à l'action que nous faisons.